Bonjour, bonjour, ici Stéphane et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ma réaction au match amical Paris Saint-Germain, Sydney FC, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 grâce à Mbappé, à Cavani et le petit jeune Metal Gokulu qui marque un beau but. Avec une équipe de Paris, enfin il y a eu deux équipes, hein, une équipe titulaire et une équipe des jeunes, avec une première mi-temps quand même beaucoup de maîtrise en attaque, mais un peu du mal en défense quand même. Ça se voit avec Kjaer et Diallo, ils ont du mal à se comprendre. Mais ça c'est normal, hein, ils se connaissent, ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent et il faut du temps quoi. Et puis j'ai vu un très bon Kylian Mbappé encore une fois, qui a donné du peps, qui a donné de l'envie, aussi un très bon Edinson Cavani qui se bat, qui ça fait même pas une semaine, hein, je crois, il est de retour d'entraînement. Parfait quoi, voilà. Puis j'ai vu un très beau Sarabia, un très bon Eldaira qui a failli marquer un très 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 beau, une grosse frappe du gauche qui passe à ça de la lucarne. Et aussi un Kevin Trapp bien aux jambes. En deuxième mi-temps, qui a sauvé un très beau but, voilà, effacé. Pour moi, en gardien, j'aime bien quand même Kevin Trapp. Reste quand même, je préfère largement Kevin Trapp à Alphonse Areola, largement, largement. Et voilà, c'est mon point de vue. Et aussi, j'ai vu des jeunes vraiment pas trop mal, Zara. Le Gogolou là, pas trop mal. T'as aussi Taofi, pas trop mal aussi. Aussi le Néerlandais qui a signé, ce cas évidemment, qui a joué en défense, qui a très 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 bien aussi à jouer, très bien, dire très bien défendu, qui a sauvé je me souviens d'une occasion, s'il était pas là, voilà quoi. Et puis j'ai vu un Kurzawa. Vraiment d'envie, envie, envie. Ouais, on connaît vraiment Kurzawa. Et voilà quoi. Bon, mes amis, moi je vais vous laisser. Voilà, ça fait 3-0. 3-0. Avant, dernier match de préparation, dernier match amical. Et samedi, c'est le trophée des champions face à Rennes, au Stade Rennais. Et on va voir, voilà, le premier match officiel. Et les internationaux, comme je vous ai dit, ils arrivent demain, les Sud-Américains, comme je dis, Thiago Silva, Marquinhos, Paredes, Di Maria, ils reviennent tous demain pour le trophée des champions. Ça va être juste quand même pour qui joue. Mais pourquoi pas quoi. Mais on verra ça. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous laisser. Et comme je dis le matin, Issa Gueye a signé au Paris Saint-Germain pour 4 ans. Comme je dis, bonne chance à toi. Faire honneur à ce faillon. Et voilà quoi. Bon, moi je vais vous laisser. Et je vous dis peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. On verra si je fais une autre vidéo, on verra quoi. Bon, allez, mes amis, moi je vous laisse. Et allez Paris, allez Paris, allez Paris. Bye!